Et ensuite, je me suis pris un gros lot de tomes Fairy Tail. Ils étaient à 5 euros l'unité, ce qui est un peu cher pour des tomes d'occasion, je vous l'accorde. Mais j'essayais vraiment là de remplir la collection complète des Fairy Tail de chez Pika, tous ceux qui me manquent. Donc là, j'ai trouvé les tomes 15, 28, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45 qui viennent compléter ma collection. Et je vais essayer petit à petit de compléter l'intégralité de la série. C'est assez facile de la compléter parce qu'on trouve souvent des tomes d'occasion. Ensuite, j'ai fait une commande chez Bazar du Manga. J'ai eu un petit cadeau comme ça, un marque-page avec Asta dessus. Il est super cool. Et comme vous le savez sûrement déjà, j'avais accumulé des points sur Bazar du Manga avec un partenariat. Et grâce à ces points, je commande petit à petit des mangas. Et là aussi, je me suis pris des tomes de Fairy Tail un peu dégoûtés. Il y en a deux, comme vous pouvez le voir, qui ont beaucoup pris le soleil. J'ai pris les tomes 11, 12, 13, 20, 23, 24, 26, 29, 38 et 41. Celui-là est vraiment devenu violet tellement il a ramassé. C'est trop dommage. Sinon voilà, toujours dans l'objectif de compléter la collection Fairy Tail et rien qu'avec tout ce que j'ai pris là, déjà on avance vraiment pas mal et je suis très contente.